Mesdames, messieurs, bienvenue dans le journal La Voix de l'Amérique sous plateforme nous. Ça nous pas perdre un pile temps. Tout de suite, n'a commencé pour nous capables de porter nouvelles baou. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer au Mondial Football Féminin. A continuer, nous toujours gain et sous place deux envoyés spéciaux nous. Gentil Augustin Junior avec Valerio Saint-Louis. Et gentil, nous connaissons que nous passons dans pile ville en Australie, Bamson Geo, Brisbane, Perth, Adelaide, qu'on y a nous trouvons dans Sydney. Et nous sommes en pile bagaille. Nous pas seulement couvrir boule, parle avec nous. Oui, Jacqueline, j'en dis à nous pas seulement couvrir boule, nous couvrir ça qui en dehors du football là. Dans j'aime toujours dire c'est nous couvrir ça qui après 90 minutes plus arrêt des jeux. Et mais comme ça Jacqueline, où qu'on est dans toute activité, dans tout event, toujours gagner mémoire. C'est peut-être ça pour yo ka garder en mémoire qui ça tout footballeuse yo t'a réglé. Tout ça qui fait en dehors de football là, avant même compétition a commencé, FIFA te prend le soin de déplacer un musée. L'aime dit déplacer, ça veut dire que ce n'est pas un espace muséal qu'on a habitué hier. Il prend un musée, il fait sous place, il expose des maillots, il expose des ballons, il expose même rad fanatique déposé. Eh bien, Valerio Saint-Louis, comme c'est une envoyé spécial VOA Creole, li pral mener nous en dans une musée sa yo pour faire vivre qui sa FIFA te exposé. Dès demain là, on a regardé ce musée FIFA. Nous va faire visiter pour nous voir ça qui est dedans. Musée FIFA veut dire et ben c'est tout dernier souvenir que FIFA fait et enregistré et retenu et mettez en dedans musée ça pour fanatiques, fanatiques football et monde qui a regardé en général à travers le monde pour y venir regarder 9e édition FIFA Coupe du monde pour mesdames yo et ben en dedans musée ça VOA Creole maintenant font une visite pour voir qui ça qui est dedans. Mais on précise tout que musée ça construction musée que nous est là, c'est un musée portable mobile que construit et vinn porter là dans ville Sydney dans pays Australie. Musée ça fait avec des matériels recyclables. Ça veut dire que musée a lui-même yo cap après que eh ben championnat du monde ça a fini, 9e édition après finale là, trophée à remettre. Musée ça, il y a démoli et matériel qui fait qui construit musée ça facilement yo capable recycler et reconstruire encore une fois. Qui veut dire que eh ben, FIFA très très intéressé dans les affaires écologie, protection de l'environnement. C'est comme ça que le musée qui est là, d'après Aplo encore une fois, il fait mur, panneau mur, tout ça qu'on il fait avec matériel recyclable, ce qui est à noter. Donc nous allons entrer dedans pour nous faire visiter le musée FIFA qui est dans la ville de Sydney, dans le pays Australie. Bienvenue au musée. Ce musée, c'est très important pour nous de pouvoir être aussi aux Coupes du Monde. C'est la 4e fois qu'on fait ça ensemble avec Hyundai. Et pour nous, c'est très important de pouvoir être proche à des fans pour leur donner la possibilité de voir l'histoire du foot mondial, si c'est femmes et des hommes. Alors, ce trophée, pour nous, c'est aussi super spécial qu'on peut avoir, qu'elle est disponible aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas toujours là, pas tous les jours. Et ouais, c'est vraiment l'original trophée, absolument, qui va rester après avec les gagnantes. Musée FIFA, vous l'avez dit qui ça? C'est justement FIFA qui reconnaît des joueurs, des joueuses qui ont même marqué Mondial 2023 et ils ont mis là à disposition publique là, des eh ben, maillots d'ossa, joueuses ça yo, pour que le public soit capable de nous reconnaître. Là, c'est comme si une façon pour honorer les joueurs ça yo, qui distinguent les souterrains. Je dis à eh bien, VOA Creole a un tour exclusif de musée ça. Et pas tout le monde qui a une chance de venir dans le musée ça. Puis, ouais, de près, maillot des joueurs qui, que eux-mêmes, ont été portés pendant que les souterrains, qui fait goal ou pas. Des joueurs qui sont idoles, des joueurs superstars, vedettes de équipes, différentes équipes, sélection nationale. Dans le musée ça, nous avons différents maillots. Alors, on nous dit que c'est FIFA en général, garçon ou femme, joueur femme, joueur garçon. Et nous, rien, c'est avec plaisir et fierté que nous allons regarder, nous allons virer la caméra pour nous remarquer. Dans le musée FIFA, FIFA reconnaître. Dossa numéro 6, Haïti, Dumont. Oh my God! Ça c'est vraiment exceptionnel parce que Corventina Melchi, alias
Oh. Mathieu Dumane, alias Coventina, c'est une joueuse que nous gagnons qui est en pile potentialité la Kali et nous t'es capable remarquer absence Mathieu souterrain dans deuxième match Haïti lui-même t'es gagné pour jouer contre la Chine côté n'ta pas perdu yon goal à 0 sous penalty gagné capitaine équipe la Nerilia Mondésir gagné gardienne de Buon et chaque grain joyau t'es participé de façon spéciale dans Coupe du monde si là mais Coventina t'es attiré en pile attention on continue ensemble avec Valerio Saint-Louis. On est c'est avec fierté vraiment que tout haïtien a regardé ça dans le musée FIFA côté que n'a regardé là c'est définitivement les Grenadiers n'a regardé tout yo écrit les Grenadiers débutants première fois dans le mondial FIFA, Coupe du Monde 2023. Et puis, il expliquait tout que Dumane, et qui lui-même t'a joué, c'est alors, Dossa numéro 6, ça, Mayo, ça, il était poté, l'Elta a joué. Et face à pays Chili, il était assuré Haïti pour la première fois, et participation, qualification dans la Coupe du Monde, femme ça. Voilà. FIFA a reconnaître Dumane comme un monde qui n'a mémorable ça. Il a dit que c'est une façon pour lui. Éternisé du monde qui sont joueuses haïtiennes. On a choisi différentes personnalités qui ont fait une différence dans le jeu des femmes. Et ce sont des femmes qui ont, des fois aussi un homme, on a aussi un entraîneur. Mais ce sont des personnages qui ont vraiment avancé ou qui ont fait des records tout à fait ou qui donnent d'espoir. On a cette fois-ci on a vraiment essayé de donner un peu de plateforme pour les femmes qui ont pour les personnages. Gentil Junior Augustin Valerio Saint-Louis depuis Sydney dans pays Australie. Merci Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis que n'a pas rejoint encore. Valerio Saint-Louis c'est une envoyé spécial Mio. Jean et Valerio Saint-Louis, c'est belle bagaille. Visiter musée FIFA, c'est un bagaille extraordinaire. Ce n'est pas n'importe qui qui gagne occasion. C'est une expérience professionnelle, m'estime qui extraordinaire. Et Valerio, ou dans Sydney, dis-nous, nous avons une idée de température. Bah, une idée de température qui Jean Saye dans Sydney. Nous avons plaisir de rejoindre nos Jacqueline depuis Sydney, Australie, justement avec une température de 52 degrés Fahrenheit. Donc, il fait un petit peu froid. Dans Sydney, il y a un ciel partiellement nuageux et on prévoit des pluies sectorielles pour plus tard. Donc, Jacqueline et Joël Gopier là, bon tifré, tu as passé dans comme là. Valérie, nous sommes musées, nous sommes un système de transport dans l'Australie. Et où là tout pour couvrir un match qui prend important et n'a pas parlé de Colombie qui va jouer avec et Angleterre c'est dans le cadre quart de finale et mondial football féminin nous en pile bagarre encore Valéo qui l'autre bagarre encore que nous capable signaler dans Australie. Je dis à Jacqueline, nous là justement pour nous couvrir mondial là, donc nous avons un match important que nous pourrions le couvrir pour. Mais à part de terrain football là, à part de match ballon capoulé, nous te voulons voir qui gens et qui ça qui gagne dans la ville que nous visitons. On a pays Australie en général. On fait une comparaison. C'est comme si nous t'avons dit, on touriste à l'Haïti, on t'a aimé qu'on est qui bon manger en Haïti. Certainement, on a répondu, on a dit, eh bien, on va prendre un bon griot, un bon duri à poids ou bien un bon duri djondjon. Eh bien, nous-mêmes, nous marchons, nous virer pour nous garder qui manger, Australien manger, et qui ça qui pour eux-mêmes représenter un plat national, ou bien manger que eux même. C'est comme ça que nous avons une envoyé spécial, qui est Gentil Junior Augustin, qui était fait arriver dans un restaurant, et il t'a regardé, il t'a demandé un plat, il t'a allé goûter tout pour qui ça, Australien manger. Et là, nous avons amené dans la ville Perth, côté que Gentil Junior Augustin a fait expérience manger ça. Donc voilà, et nous avons seulement un film Kangourou, non seulement VO Creole permet nous well, mais nous avons envoyé spécial. Nous avons parlé de Gentil Augustin Junior, lui-même qui fait expérience, lui manger Kangourou, et lui dit que lui bon d'après ça qui passe dans la bouche. Nous avons entré dans l'actualité concernant le pays d'Haïti,
côté que département d'État américain lui bien accueilli Libération infirmière américaine Alix Dorsinville à toute petite li après presque après plus passé une semaine en bas mer ravisseur Masado Vilme te gen réaction moun dans zone côté que yo gen groupe chrétien kap di nou ki jan que vous senti après Libération ça. C'est l'organisation El Roi Haïti qui a annoncé nouvelle libération infirmière américaine à Dorsinville avec toute petite fille, n'est exempté kidnappé depuis 27 juillet passé à. Une nouvelle qui mettait la joie à quel content, la caille habitant Fujio, côté infirmière a évolué. C'est la parole de la vie, ma couette qui gamouna. Couette qui gamouna. Et la parole de la putain qui gamouna. Après t'es en là, je vais sortir dans la gêne. Je vais sortir dans la gêne, je ne comprends rien. Et ma prête en là. Au nom de Jésus. Je dis à Mr. Libéré, nous disons bon Dieu merci pour ça. Merci Jésus. Son gloire, son gloire, son gloire, Seigneur, son gloire, Seigneur. Je suis content Mr. Libéré. Son moment est pour nous. Je suis content l'hôpital gratis, l'argent gratis. Il y a des zones là. Nous disons merci bon Dieu, Mr. Libéré. Je dis bon Dieu merci pour ça. Bon, parce que s'il va te laguer, parce que l'école là, on va apprendre qui s'en a fait avec Timounio, parce que nous avons Timounio dans l'école là. Les finis, les bons pour nous tous, les bons problèmes, ils ont aidé nous là-dedans. Les finis, Miss Nan, c'est Miss Noulier, nous factiller là, ils ont aidé nous ensemble. Nous dis bon Dieu merci pour ça. Malgré nous beaucoup, nous-mêmes nous dis bon Dieu merci pour ça. Je suis content pile pour l'école. Pour libération sac fête là parce que nous mis la témoin nous en pile dans zone là c'est vrai mais ça le fait pour nous représenter un moment lié dans zone là citoyen yo di yo paix pour famille pas quitter pays a après ça qui fin rivé a gros inquiétude mais c'est que après tout ça qui fin rivé là li ka parti quitter pays a parce que il y a accès la gien gros impact sur moi parce que l'école là qui te connait d'en parce que Mbappé l'école là qui passe faire dans l'école là. Mal fait n'est-ce bon, si le quitter pays ça fait nous mal, ça pas fait nous bien. Aïe c'est de la paix dans zone là. Comme ça nous ça pas fait nous bien. Aïe si nous malade nous pas gagne aide, nous pas gagne si petite nous gagne problème, nous pas gagne l'argent pour aller à l'hôpital. Nous bon, ça pas fait nous bien même. Et si l'école là, pour la sur notre bagage pas encore, pour tenir chercher l'école. Parce que si les gens sont déjà dans le là, si là, les couleurs là, pas un walnash. Donc, nous faisons ça. Oui, ça nous fait. Le département d'État qui s'allie Libération Infirmière exprime appréciation pour partenaires liés dans le pays Haïti et l'agence américaine qui travaille avec Haïti pour assistance sur tes bails pour faciliter la libération américaine. Toutefois, service créole la voix de l'Amérique n'a pas un mesi pour dire si l'agent qui baille pour libération Alix Dorsinville. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Masiado Vilme pour VOA Créole. Merci, Masado Vilme. Il faut dire que d'après nouvelle, eh bien, cas kidnapping a augmenté dans le pays. Il y a plusieurs monde qui connu et qui toujours ben en bas main ravisseur. L'autre point dans l'actualité concernant pays d'Haïti, discussion a déroulé dans Port-au-Prince entre Premier ministre Ariel Henry et acteurs politiques dans l'opposition et acteurs économiques sous négociation qui permettent de joindre un compromis largement large. Wena Toussaint, c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince. Premier ministre Ariel Henry tamen yon série discussion direct ak acteurs politiques dans l'opposition haïtienne ak acteurs économiques sur yon éventuel cadre négociation qui t'a dû aboutir à yon consensus politique pilage par rapport à l'accord 21 décembre 2021 pour résoudre crise sociopolitique ak économique là. Ancien sénateur Patrice Dumont, membre signataire accord Montana, croit l'important pour haïtiens chita ensemble pour joindre une entente cap dans intérêt toute collectivité yo. Tout patriote, tout vrai nationaliste, tout citoyen haïtien conséquent, nous rendons compte que nous pas capables, nous en tout cas pendant tout le temps ça nous parler, nous faire négociation, nous faire dialogue, mais nous pas arriver vraiment faire ça nous croit qui pis bon pour pays a. Pour nous mettre un gouvernement de consensus national vraiment solide pour changer la situation. Suite à la rencontre politique Jamaïque, 11, 12 et 13 juin 2023 passé, sous auspice des émissaires pays CARICOM, plusieurs rencontres ont déroulé entre acteurs haïtiens. Mais rien pas de jamais sorti. Il y a des gens qui disent que c'était un échec, il y a d'autres qui disent non. Ancien colonel Imler Rebi,
membre signataire déclaration Kingston non dit c'est parce que docteur Ariel Henry pas gain volonté qui fait yo pas déjà joindre un compromis politique pour sauver le pays d'Haïti. Si le premier ministre te dit à ta bonne table, 24 mois, gen la, oui. L'elle te fait, yo te rele à 11 septembre, et 14 mois à quoi durer. Le fini loi, elle te fait, par bon désaccord, elle font l'autre raccordement. C'est comme un plombier, qui a mis le raccord tout partout, et puis tu as pété, puis la a mis même col là, pour une même tu as pour faire même raccord. Bah, pas qu'à marcher. Donc, il est très clair. Pour qu'il s'en fait, depuis le docteur Ariel Henry, pour qu'il pouvoir, il dit la pas sur la sécurité, il pourra faire l'élection. Pour qu'il s'en pas faire ni une ni l'autre. Bon, côté parle, met André Michel, qui s'est représentant à COP 21 décembre 2022, dans la rencontre politique, yo, dit PM Henry, qui a une bonne volonté. Lui, quoi, pas trop longtemps, il a joint une entente capillage par rapport à 21 décembre, pour être capable définitivement, d'après ça le dit, passer dans la phase changement constitution pour organiser l'élection générale pour renouveler le personnel politique. Là. Où est-ce que tout ça? Pour VOA Créole, Port-au-Prince. Actualité haïtienne aux États-Unis, yon gros difé causé qu'est sauté sous île Hawaï pendant que mauvais temps a tracassé région est les États-Unis. Sandra Lemer, gen détail. Du feu qui prend en ragwa zile Hawaï a fait ravage grâce à gros vent qui a soufflé et puis bayo en pleurs. C'est comme ça, du feu envahit ville historique Lahaina mercredi et puis forcé évacuation avec fermeture l'école dans plusieurs communautés. Gardes-côtes États-Unis répondent à l'appel dans plusieurs régions côté Monte Kouri à Lagekoyo dans la mer pour chaper du feu à la fumée. C'est ça arrondissement Zile Maui fait connaître dans une déclaration li publiée. Gardes-côtes publié un message sur Twitter qui dit li sauver 12 moun qui étaient à Lagekoyo dans la mer tout près ville Lahaina. Image drone captée montre flamme du feu orange qu'a propagé. Arrondissement dit sur Twitter que plusieurs routes fermées et yo mande moun pour yo pas aller dans ville là. Du feu t'est presque fin envahi Lahaina net la donne gain Front Street, une zone qui est très populaire avec touristes. Sous côte Est, États-Unis même, au moins deux mouns mourir et plusieurs milliers de vols avions été annulés ou bien renvoyés à cause gros mauvais temps qui frappait région Est, États-Unis lundi. Gagne 1,1 million cailles avec business qui perdit courant après gros vent soufflé et puis la pluie mélangée avec la grêle et puis coup d'éclair t'est tombé. Service météo national a lancé avertissement pour région Washington DC lundi qui était duré jusqu'à 9h du soir. Il était averti que il y a en pile chance pour gros vent cap soufflé causer dégâts et puis créer tornade. Mauvais temps t'est couvri état sorti dans Tennessee dans sud là pour arriver New York. Météo dit gain plus passé 29,5 millions moun qui t'a ka fait face avec tornade. Dans Caroline du Sud, un teenager 15 ans qui arrivait la caille grand-parents li pendant mauvais temps, mouri après un pied bois t'est sauté tombé sous lit dans moment l'étape sauti dans machine ni. Et puis dans état Alabama même, un garçon 28 ans mouri après coup d'éclair t'est frappé. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. États-Unis toujours, yon responsable garde frontalière, les États-Unis démenti rumeur comme quoi frontière pays a partagé avec Mexique l'ouvri. Jean-Robert Philippe.
Plusieurs centaines d'immigrants rassemblés dans la ville Fontales sous la droite est dans le Mexique, après rimer médias sociaux publiés, qui t'a fait comprendre États-Unis capable d'ouvrir frontières pour permettre de rentrer dans le pays. Estamos acá una multitud de personas porque estamos esperando rumores que se recorren hace una semana que van a cambiar algunos artículos. Immigrants ça qui identifie comme un citoyen vénézuélien déclaré nous sommes une foule captant depuis semaine passée. Oui, cap courir comme quoi il y a quelques changements qui fait dans la loi sur l'immigration États-Unis. C'est pour raison ça, nous présents ici là. Il y a plus de 1000 personnes qui sont là, je dis, à cause de l'application CBP, on en prend trop de temps pour nous joindre au rendez-vous. En plus, les gens ont entre 2 à 3 mois depuis y a tant. Il y a parmi les immigrants qui dit qu'ils ont passé plusieurs semaines à attendre pour joindre un rendez-vous dans l'application CBP One pour venir demander asile. Ils ne sont pas capables d'attendre pour prendre chance sur la frontière à Pito. Acá se escuchó el rumor de que iban a abrir la frontera y pues uno aprovechando el momento nos hicimos hasta acá pues. Immigrant ça qui sorti Venezuela, il est Armando. Parlez pour dire, nous tendez rimer frontière capable d'ouvrir. Donc, nous profiter pour nous venir là, ensemble avec l'autre immigrant. Sa autorité au fait, c'est maltraiter nous. Ou pas, ouais, en rien l'autre. Il doit mettre devant nous une solution à cause de nous sentir découragés pour nous rester ici là. Il prend en main nous, ticracité. Environ 1000 immigrants prennent position à l'entrée frontière en face de ville El Paso, Texas. Il y a un qui a pillé dans Mirail Enfea, il y a un autre qui chita sous rail train. Agent la douane à protection frontière, Sean Coffey, qui t'a parlé depuis El Paso, Texas, fait connaître. The U.S. border is not open to irregular migration. Don't listen to the lies of smugglers. U.S. immigration policies have not changed. Frontière pas ouvrée pour immigration irrégulière. Par côté menti trafiquant à Banou. Politique immigration États-Unis n'a pas changé. D'après titre 8, loi sur immigration n'a poussé d'eau tout individu avec famille qui vient sous frontière sans autorisation. Non capable de retourner dans le pays d'origine, le monde qui pas citoyen. Immigrants nous interdit d'entrer aux États-Unis, pas capable de retourner dans le pays pour 5 ans. Immigrants doivent faire confiance seulement information officielle gouvernement américain hein, au lieu de rimer médias sociaux avec l'autre source qui pas officiel publié. Une autre fois encore, frontière pas l'ouvrir pour immigration irrégulière. Pendant ce temps, garde la douane avec protection frontière installé fil barbelé dans toute barrière ou train. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Et bien, situation toujours compliquée dans Niger, côté junte militaire, de refuser de recevoir deux délégations qui étaient là-dedans africains avec représentants l'ONU la veille, pas de la veille, non, mais demain jeudi, pour le gain sommet chef d'État, CDAO. C'est vous, Digas, à dire nous plus. Ça gagne deux semaines depuis garde présidentielle Niger, là, retiré président démocratiquement élu Mohamed Bazoum sous pouvoir. Et déjà résident pays, particulièrement dans la capitale la Niamey, espérer changement bon côté junte militaire, mettez à une période de stabilité et abondance régime qui était sous pouvoir en vent pas en mesure pour le réaliser. Salifou Ibrahima, c'est un résident capitale. Pour l'instant, on ne peut pas parler de changement, hein. On peut parler de stabilité. Stabilité. On veut vraiment que la stabilité revienne. Et les gens commencent quand même à se réconcilier. Et vraiment, on a senti vraiment un engouement, effectivement. Et les gens s'attendaient à un changement. Effectivement, le changement est fait. Maintenant, bon, et que ça aille bien, quoi, maintenant, les jours à venir. Démarche diplomatique qu'a faite pour renverser coup d'État a marché brité pour Kounia et Mali avec Burkina Faso qui, sous l'obédience d'un régime militaire tout, lancé appel pour Nations Unies pas appuyer une intervention militaire sur le territoire nigérien. Sidiki Diara, c'est un autre résident dans la capitale. Je souhaite que le CNSP ne cède pas à la pression internationale et qu'il fasse tout pour qu'il y ait la sécurité, la santé et l'éducation au Niger. Et je souhaite aussi qu'il libère les détenus politiques. En tout cas, la population a mis espoir sur la capacité des jeunes militaires pour mettre sécurité sur le territoire et gérer les ressources nigériennes plus bien. Ici, Foudoga, c'est un chauffeur taxi dans Niamey. Il faut qu'il change la situation un peu de paupérisation de la société. Parce que le régime qui est passé là, les Nigériens sont devenus très pauvres. Avant leur régime, le Niger était un peu plus riche. Et le Niger s'est tellement appauvri, il y a trop de pauvreté au Niger.
Pendant ce temps, Panzouris nigérien, qui renversait président élu Mohamed Bazoum sous pouvoir, t'est dérefusé recevoir envoyé spécial CDAO et envoyé spécial l'ONU Yemadia, une façon pour résister en bas pression pour faire négociation avant sommet demain jeudi à côté chef d'État communauté État Afrique de l'Ouest pour aller discuter sous possibilité pour couper junte militaire Niger là sous pouvoir par la force. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez. L'autre point actualité, Allemagne a envoyé l'autre zamba Ukraine. La Russie rapporté encore attaque à drone que Ukraine lancé qui te visé ville Moscou, capitale pays la Russie et puis clôture sommet Belen nan nan pays Brésil sans que pas gagne yon accord ferme pour mettre fin à sa relais déforestation nan forêt amazonienne. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était journal La Voix de l'Amérique sous plateforme nous. Famille Jean-Charles, quittez potel pour nous. Rendez-vous cassé demain si Dieu veut pour une prochaine sortie. D'ici là, restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.